Ok, salut à tous. Quand vous avez des questions, que vous avez des doutes, des croyances limitantes qui vous freinent dans votre parcours pour créer votre business en ligne, pour atteindre un chiffre plutôt confortable, quand vous avez toutes ces choses-là qui vous freinent, comment est-ce qu'on fait pour tirer son épingle du jeu selon vous? Si vous voyez cette vidéo, normalement vous me voyez venir. Il va falloir payer un coach. Moi j'ai payé un coach qui est Jonathan. C'est pour ça que je suis en train de faire une vidéo pour lui. Logique. Vous avez trois solutions quand vous allez créer votre business et que vous avez toutes ces questions, tous ces doutes, tous ces problèmes. Première option, c'est de mettre tout ça sous le tapis et de continuer d'avancer dans une destination incertaine. Vous voyez les chiffres, ok? C'est compliqué. On galère. Tout le monde n'y arrivera pas parce que tout le monde ne fait pas les bonnes choses. Donc si vous continuez d'avancer dans un chemin aussi difficile, avec plein de questions sans réponse, vous verrez ce qui va vous arriver. Deuxième option, on demande à ChatGPT. Essayez, vous verrez ce qui va vous répondre. Troisième option, c'est quoi? Faire appel à un coach. Un coach qui a déjà fait les erreurs, okay, qui a déjà eu les croyances limitantes, qui a déjà eu les problèmes. Toutes les interrogations que vous avez, lui, il les a déjà eues et il a eu la réponse à ça. Il a perdu de l'argent. Il a perdu du temps, il a investi dans des coachs et vous, vous avez accès à ça. Vous payez le résultat. Vous ne payez pas une formation, vous ne payez pas un coaching, vous ne payez pas des vidéos, vous payez pour un résultat garanti. Ok? Le mec est déjà là où vous voulez être, donc il va vous dire quoi faire pour y arriver et quoi ne pas faire. Et oui, il va falloir payer. C'est beau la charité, c'est beau l'entraide, mais il y a un moment. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Si vous voulez que le mec qui vous coach, il soit investi dans votre développement, bah, va falloir lui payer un billet. Okay? Ou sinon, vous lui apportez quelque chose d'autre qui a autant de valeur. À vous de voir. Moi, j'ai payé. La sélection naturelle. Vous savez ce que c'est? 10% des gens, ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, quand ils vont sortir la carte bleue, quand il y a la petite goutte de sueur qui va gentiment couler et qui vont se dire dans leur tête, putain, j'aurais pu me payer un voyage au ski, à la montagne, j'aurais pu acheter une voiture, j'aurais pu acheter une soirée de folie, mais qui ont préféré de mettre de l'argent sur eux. Vous, déjà, vous faites partie des gens qui vont réussir. C'est juste que vous ne le savez pas encore. Vous avez encore quelques doutes. Le reste, les 90%, bah vous, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, vous avez peur de payer parce que vous n'avez pas confiance en votre capacité à réussir. Même moi, actuellement, ok, pour ceux qui vont penser que c'est un témoignage bullshit ou quoi, Joey vous mettra la chaîne YouTube, vous pouvez vérifier. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a de l'argent qui tombe. D'accord? Même moi, à mon niveau, je continue de dépenser de l'argent dans des coachings. Ça fait toujours aussi mal, ça fait toujours aussi chier, mais c'est ça qui m'a permis d'arriver au résultat auquel je suis. Dans un travail classique, en étant salarié, il aurait fallu passer sous le bureau pas mal de fois pour arriver à des résultats comme ça. Ok? Dieu merci, j'en suis pas arrivé là. Qui plus est, on tire une fierté quand on a réussi à mettre un business de nos propres mains, ok, qui sort de là, on est content. On en tire de la fierté, de la satisfaction. Et je vous souhaite sincèrement de ressentir ce feeling. Ok? Mais pour ça, il va falloir passer par la case lâcher un billet, payer un mec qui est arrivé là où vous voulez être, tout simplement, pour qu'il vous donne la clé, la roadmap à suivre en détail pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Parce que sinon, vous allez faire des efforts, vous allez faire des actions, c'est bien, il faut, mais vous n'allez pas creuser au bon endroit. D'accord? Vous n'allez pas mettre les bonnes actions en place et on appelle ça le coût d'opportunité. Vous aurez perdu du temps et de l'argent. Et derrière, vous allez perdre énormément en confiance et en votre capacité à réussir. Ok? C'est la sélection naturelle, c'est tout. Ça commence de là. Les personnes qui vont payer, les personnes qui vont mettre un billet, c'est celles qui tirent leur épingle du jeu. C'est tout. La première étape, elle commence ici. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, Joe, il m'a beaucoup aidé. Je te remercie d'ailleurs. Clin d'œil. Je pense que tu as cassé pas mal de barrières limitantes par rapport à ça. Et puis, c'est pas fini. On continue de charbonner les mecs. La course n'est jamais finie. Croyez en vous, croyez en Jonathan. Je vous garantis qu'il peut vous aider. Il est déjà là où vous voulez être, ok?
Et puis, peut-être qu'un jour, vous ferez cette interview à ma place un jour. Ciao.